Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous accueillir sur cette nouvelle série de vidéos, comme vous avez pu le voir, sur Star Wars, du bon gros Star Wars. Donc voilà. Donc, moi, j'avais prévu de faire cette série à l'occasion de la sortie de l'extension des 10 ans du jeu, qui était prévue pour le 14 décembre. Malheureusement, l'extension a été repoussée au 15 février. Alors, c'est pas bien grave, même s'il va y avoir de très gros changements en termes de gameplay. Du coup, tant pis, j'avais pas envie d'attendre, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, on va se faire cette série de vidéos et on va suivre l'ascension de notre esclave qui devrait, si tout se passe bien, devenir un Dark. Voilà, donc on va suivre les aventures de Zurek, esclave de son état, et qui débarque sur Korriban. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques, puisque le jeu est complètement doublé en français, même les plus petites quêtes. Voilà, donc je vous ai laissé les textes. Voilà, et on est vraiment là pour s'éclater, prendre du plaisir et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec notre esclave. Allez, c'est parti! Ah, le dernier acolyte arrive enfin. J'espère que tu ne penses pas bénéficier d'un statut privilégié. Ce serait dommage que l'envie de liberté te monte à la tête, ou que tu t'imagines que tu n'es pas obligé de réussir les épreuves pour devenir un Sith. Le seigneur Zash m'a chargé de tester les rebuts que vous êtes pour trouver celui qui serait digne d'être son apprenti, et c'est ce que je compte faire. Pas de sentimentalisme avec nous. On se connaît à peine. Aucun risque. Bon, vous savez ce qu'on attend de vous, bande de déchets vivants. Allez-y pendant que je mets notre retardataire au courant. Sois prudent, l'ami. Et ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Il ne peut pas tous nous tuer. Je vais l'attaquer de face. Toi, prends-le par derrière et on verra comment il s'en sort. Bof. Tu as l'air de pouvoir t'en sortir tout seul. Bien, esclave, voici ton épreuve. Un ermite répondant au nom de Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des Seigneurs Noirs. Spindral est un vieux fou, mais le seigneur Zash le considère comme une sorte de prophète. Quand tu l'auras trouvé, il te testera. Je vais faire de mon mieux pour satisfaire Spindral et réussir cette épreuve. Bref, tu connais maintenant ta mission. Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des Seigneurs Noirs. Ne fais pas attendre Spindral, esclave. Ok, donc comme on peut le voir, le ton est donné. Alors, moi, je vais déjà faire quelques petits réglages. On va se choisir une interface, voilà, qui va être beaucoup plus pratique pour moi. Ensuite, je vais réorganiser très rapidement deux, trois petites choses. Ça, comme ça. Le reste me paraît bien. Et puis, je vais juste changer au niveau de l'interface utilisateur, c'est l'affichage des textes de réutilisation. Voilà. Pour le reste, je ne vais pas afficher les gains côté obscur ou côté lumineux dans les dialogues. Comme ça, on va vraiment se jouer RP, c'est-à-dire que je vais répondre comme je le sens. Et peu importe qu'on aille côté obscur ou côté lumineux, puisque de toute façon, on ne fera pas tout côté obscur ou tout côté lumineux, on va s'adapter en fonction de la situation. Et c'est pas bien grave. Voilà. Donc on est parti, on a notre première mission et on doit rentrer dans la chambre sacrificielle. Donc comme vous l'avez vu, on est un esclave, on vient d'arriver et le but c'est de se faire un nom. Donc c'est parti. Donc voilà, donc c'est du Star Wars, c'est du grand Star Wars, le jeu a 10 ans mais toujours très très plaisant à jouer. C'est pareil, avant de partir on va se faire deux petites choses, c'est qu'on va se prendre un petit... Voilà, ça ici, qui va nous permettre d'augmenter notre inventaire de 1 simplement. Le reste, c'est pas...
C'est pas utile puisque je suis un joueur abonné. Voilà, et puis on va terminer par se prendre un petit compagnon. Alors on va avoir des compagnons au niveau du scénario assez vite. Mais moi j'aime bien quand même avoir mon petit compagnon assez rapidement. Comme ça au moins on est tranquille. Hop là, voilà. Et donc là on a Dark Exide qui va nous suivre et qui va nous healer, nous soigner. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc on y va alors. Ok, donc on a notre épée. Donc, pas l'air bien, tous les des soucis avec personnages les en bleu sont des, joueurs, hein, sont des joueurs humains. De avez-vous besoin de soins médicaux pour contourner nos défenses? Portez-vous bien. Les sites veulent qu'on s'en débarrasse. Ne vous inquiétez pas, on va en croiser pas mal. Quoi. Ils peuvent se cacher. Vermine souterraine. Pas mal. Vous feriez mieux d'ouvrir l'œil. Ah, on va commencer par taper quelques petits mobs. Quelle douce musique à mes oreilles. Voilà, bon, c'est un petit coup dès le départ. Pourquoi pas, on va le prendre. Donc on a notre fiche de perso qui est ici. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Je vais peut-être... j'ai l'impression quand même que les voix sont un peu fortes quand même. Volume des voix, ouais. On va peut-être les baisser un petit peu. Les mettre, allez, à 80... Allez, à 80... 85, allez. Je réajusterai en fonction. Ok. On va aller se tuer quelques larves. On voit qu'on en a encore 4 à tuer, là. Ça va laisser des marques. Délicieux. Ça repop pas ici, non. On va aller chercher là-bas. Donnez-moi un vrai combat. Délicieux. Ok. Donc on vient de prendre un petit niveau. On a rempli l'objectif secondaire. Et on va continuer d'avancer. Alors également, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre le voyage rapide ici, qui a un délai de réutilisation de 6 minutes pour l'instant, puisque je n'ai pas d'héritage de déverrouiller. Et puis on va prendre encore une petite quête. Pardonnez-moi, acolyte. Sergent Cormoun, 5e compagnie d'infanterie, régiment de Corriban. Est-ce que je peux vous parler? Soyez bref, sergent. Bien sûr. Vous êtes un des esclaves qu'Arkun a amené lors du dernier transfert, c'est ça? Vous êtes venu faire vos preuves devant les surveillants assoiffés de sang. En quoi est-ce que ça vous regarde? Je ne voulais offenser personne. J'ai cru que vous profiteriez de l'occasion pour faire vos preuves devant les surveillants, mais aussi pour commencer à nouer des liens avec l'armée impériale. Je suis ici pour diriger une mission difficile et exterminer des limaces chlore dans ce tombeau. Ce sont des bêtes horribles. Leur gueule est plus grosse que votre tête. J'ai perdu 3 escouades de bons soldats au combat. Elles viennent en meute. Elles... on dirait qu'elles gobent les hommes. Alors je vous conseille de changer de stratégie. Écoutez, j'ai identifié le point faible de l'ennemi, mais ce n'est pas facile de l'atteindre. Ces limaces chlore se reproduisent si vite qu'il est impossible de les éliminer de façon conventionnelle. Alors on a commencé à attaquer leurs nids. Elles sont devenues folles. On a réussi à mettre des explosifs dans tous les nids, mais les limaces chlore nous ont attaqués avant qu'on puisse les faire exploser. Vous êtes sûr que votre plan va réussir ? Je l'ignore, mais je l'espère. Sans nid, le nombre des limaces chlore diminuera et on pourra les exterminer. Ne sous-estimez pas ces limaces chlore, monsieur. Elles sont plus intelligentes qu'elles en ont l'air. Ok, on va aller prendre... Enfin. Ça, c'est notre entraîneur qui va nous donner un petit pouvoir en plus. Hors d'ici. Ce qui est plutôt cool. Puis on va y aller. Hein. Ah oui, alors on va aussi hop agrandir un petit peu la visibilité de la carte. Donnez-moi voilà, donc combat. Ça c'est le pouvoir qu'on vient de choper, qui est plutôt cool. Pas mal. Reprenez des forces. Ok. Donc, il nous en restera 2 à tuer. À mes oreilles. Voilà. Il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. À part une dame qui se cache. Hop, on va activer ceci. Et on va reparler
au sergent. Clôturer cette première petite quête. J'ai entendu les explosions quand vous avez activé les charges. Étonnant, monsieur. Voilà, et donc on récupère des gants et de l'expérience. Donc on va équiper les gants, voilà. Alors tout équipement apparaît en direct et puis après on va pouvoir se faire des tenues. On verra ça plus tard. Ensuite, on a une petite quête à récupérer ici. Alors, petite astuce, j'ai masqué les quêtes d'exploration au niveau de la carte. Ce sont vraiment des quêtes qui vont pas être super utiles. Du coup, nous, on va se concentrer sur la quête de classe. Et puis, on fera quelques petites quêtes sur les planètes. Et moi, en off, je ferai un petit peu de GSF et de ZL pour upper le personnage un peu plus. Histoire d'être à l'aise au niveau justement des niveaux des différentes planètes. Voilà. Donc on a quoi? On a 10 pilleurs de tombeaux à tuer. C'est parfait, allons-y. Délicieux. Ça va laisser des marques. Ok, donc on vient de reprendre un niveau. Ça va mieux? Donnez-moi un vrai combat! Putain, je le vois pas. D'accord, très bien. Quelle douce musique à mes oreilles! Il m'en reste 3. Pas mal. Quelle douce musique à mes oreilles! Ok, donc ça c'est fait. Alors, oui, important aussi, c'est qu'on va tout de suite choisir notre spécialisation. Appliquer. Voilà. Donc ça, ça va être notre arbre de talent à partir du niveau 10. Ça va laisser des marques. Délicieux. Pas mal. Esclave. Bienvenue dans mon humble grotte. Tu viens passer ton épreuve, c'est ça? Apprendre la voie des Sith grâce à un vieux gâteux dans un tombeau, avec l'espoir de présenter à ton maître la marque de mon approbation. Oui, seigneur, c'est exact. Bien entendu. Je sais comment sont les choses à la surface. Mais avant que je prenne ma décision, tu dois passer l'épreuve du sang. Si tu survis, je t'enseignerai ce que je sais. Bah vous êtes beau, vous. Bien, allons-y. Donnez-moi un vrai combat. Pas mal. Quelle douce musique à mes oreilles. Ça va laisser des marques. Ok. Ah, au début, c'est relativement tranquille, hein. Excellent. Ces anciens acolytes voulaient avoir une deuxième chance de connaître la gloire en te tuant et en prenant ta place. Mais ton envie s'est avérée la plus forte et leur sang symbolise maintenant ta victoire. Bravo. Mais
Tu n'es pas encore un Sith. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise mes chaînes. Tel est le code Sith. Imprime-le dans ton cœur et alors tu auras la force pour écraser tes ennemis. Me comprends-tu ? Bien sûr. Je suis né pour être Sith. Bien. Dans ce cas, pars. Retourne voir Harkun et laisse ta haine envers lui t'alimenter. Sers-toi de ta peur de lui pour devenir plus fort. Il peut peut-être lever le poing pour frapper, mais c'est le Seigneur Zash qui décide où le coup doit atterrir. Mais qui contrôle Zash ? Quand tu connaîtras la réponse, tu auras plus de pouvoir que tes deux maîtres. Maintenant, va. Laisse-moi me reposer. Ok, donc comme je le disais, les premières quêtes sont relativement simples. Elles sont juste là pour intégrer le gameplay de base. Voilà, on a une petite quête annexe à faire. Sur le chemin, on doit récupérer 3 artefacts. Vous voyez qu'on est loin d'être seul, on est 85 sur la zone ici, rien que sur cette petite planète. Alors je suis sur le serveur anglais, qui est un petit peu plus peuplé que le serveur français, mais mon compte principal est sur le serveur français. Galère un peu toi maintenant. Peut-être t'aider, non ? Délicieux. Voilà. Donnez-moi un vrai combat. Délicieux. C'était pour moi à la base, mec, mais bon. Hein ? Pas grave. On va se partager ce qu'il y a. Voilà. Pas mal. Quelle douce musique à mes oreilles. Va laisser des marques. Reprenez des forces. Pas mal. Il me reste encore 2 égorgeurs à tuer. Ça va laisser des marques. Ok. Petite quête bonus terminée. C'est des quêtes qui se déclenchent quand vous tuez par exemple un ennemi dans une zone, on va vous dire d'en tuer tant. C'est toujours bien de les faire au début, alors après... Après on va s'en foutre un petit peu, je vais être honnête, on va vraiment se concentrer sur la quête de classe. Délicieux. Sur l'histoire de notre personnage. Quelle douce musique à mes oreilles. Donnez-moi un vrai combat. Voilà, on continue d'avancer, on va se diriger vers l'Académie des Sith. Voilà, un petit codex, ça fait toujours ça comme point. Pas mal. Voilà, et donc on va enfin sortir de ce tombeau pour arriver à l'air libre et à l'Académie des Sith. Voilà. Et on en profite pour prendre un petit niveau. D'ailleurs, on va aller voir notre entraîneur et pouvoir apprendre quelques nouveaux pouvoirs. Donc toi, on a une quête à te rendre ici. Je me suis occupé de vos problèmes avec les pilleurs dans la tombe. Ah, alors mes hommes doivent être morts.
Mais vous nous avez rendu service. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. J'en ai terminé ici. Oui, monsieur. Parfait. Donc là, on se chope un petit pantalon. On va se l'équiper. Voilà. Ça va mieux ? Veillez à respecter la notice des produits. On va vendre tout ce qui ne sert à rien. Ah bah oui, 600 plus la mètre, j'avais pas vu ça. Portez-vous bien. Ok. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Et on y va, donc on va s'adresser au surveillant Harkoun. Mais avant, on va passer voir notre entraîneur de classe. Tu dois faire partie des esclaves acolytes. Facile de deviner pourquoi le surveillant Harkoun était aussi dégoûté. En tout cas, Seigneur Zash a été clair. Les nouveaux acolytes doivent suivre l'entraînement martial et affronter les épreuves. Bien que je vois mal comment on peut espérer t'enseigner quoi que ce soit. Dites-moi juste où sont mes entraîneurs. Au moins tu es un esclave obéissant. Tu trouveras les instructeurs aux archives de l'académie. Dépêche-toi et tâche de ne pas embarrasser tes supérieurs. Donc hein, vous voyez qu'on est quand même traité comme un moins que rien, d'autant plus qu'on n'est pas un site de sang pur. Donc ça on va nous le rappeler quand même assez souvent. Mais vous en faites pas, on va réussir à s'imposer, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là on va passer tout vite voir notre entraîneur, ça va clôturer la petite quête, on va se choper une ceinture, peut-être avoir 2-3 pouvoirs. Enfin. Voilà, alors ça, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Voilà, donc on chope la surcharge qui est très bien et la tempête de force. Hors d'ici. La tempête de force qui va être un... comment ? Un pouvoir clé. Non, c'était ça que je voulais faire, voilà. Puisque ça va nous permettre de faire proc un autre pouvoir, du coup. Et on a chopé une ceinture également, on va l'équiper, on n'en avait pas, c'est parfait. Et là, on peut se diriger vers le bureau du surveillant. Ah, te voilà, enfin. Encore une fois en retard. Bon, voyons ce que l'ermite pense de toi, Schiffmoll. Acolyte Cory, avance d'un pas, je te prie. Oui, surveillant. Tu es une charogne tellement inapte et pathétique que même un fou comme Spindral s'en est rendu compte. En d'autres termes... Je vous présente un nouvel acolyte. Von Alt. C'est un vrai site. Et il va vous réduire en bouillie, esclave. Regardez-le. Plus aucun lien de parenté, mais un sang de site pur. C'est le futur apprenti du Seigneur Zash. Pas une raclure comme vous. On verra s'il est si fort que ça dans les tombeaux. Tout seul. Avec moi et mon sabre pour seule compagnie. Viens par là, esclave, je veux te parler en privé. Les autres, allez-vous-en. Vous connaissez votre mission. Toi aussi, Fon. Spindral t'attend. Maintenant, écoute-moi bien. Spindral est un fou. Son approbation ne signifie rien. Tu es un esclave et tu vas mourir. C'est bien clair ? Il en faut plus pour m'intimider. Tu es un esclave, ne l'oublie pas. Bien, voici ta deuxième épreuve. C'est une épreuve spécialement réclamée par le Seigneur Zash, et que tu vas certainement rater. Va voir l'inquisiteur Zin dans les cachots. Il te fournira les détails de l'épreuve, qui se soldera à coup sûr par un échec. N'espérez pas me voir échouer, Harkoun. Je suis du genre coriace. Ne parle pas trop vite, esclave. Je ne veux pas te revoir tant que tu n'auras pas été dans les cachots. C'est tout. Ok, donc vous voyez, c'est cool, on a quand même le choix des réponses.
Et donc on peut faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Alors ça, c'est notre premier boost d'XP, on va le prendre tout de suite. Là, on va s'équiper de ceci et de notre lame d'entraînement. Voilà. Ok, donc là c'est mieux. Bon, on doit aller interroger un prisonnier. Donc on va aller interroger ce prisonnier. Et là, tant qu'on est à l'Académie des Sith, on va se la jouer, voilà. On va se laisser marcher sur les pieds. On va expliquer aux gens qu'on n'est pas là pour rigoler. Et ensuite, une fois qu'on aura quitté Korriban, on pourra commencer à faire un petit peu ce qu'on veut. Parce qu'on va pas être du genre à tuer pour tuer. Hein. On tuera si nécessaire. Quoi. Là, il faut qu'on fasse nos preuves. Donc on va faire nos preuves. Clairement. Acolyte, vous arrivez au bon moment. Harkoun m'a donné des instructions très précises. Vous avez grandi en esclave, mais vous devez oublier ces principes et apprendre à en contrôler d'autres. Et j'ai l'épreuve idéale pour ça. Voici une larve d'acolyte. Il sera votre victime. En quoi ça consiste exactement ? Il y a peu de temps s'est produit ce que nous appelons un meurtre non autorisé, ici dans l'académie. Une rivalité entre apprentis s'est soldée par la mort de l'un d'entre eux. Interrogez-le. Obligez-le à dénoncer celui qui a commis ce crime par tous les moyens nécessaires. Protégez vos oreilles, car ça va peut-être faire du bruit. Merci pour cette attention, mais je préfère profiter du moindre de ces hurlements. Allons-y. Salut mec. Ne me fais pas de mal, je ne sais rien. Alors on va commencer, on va essayer, vous voyez, on va essayer de se la jouer. Le but c'est d'obtenir des réponses, donc on va essayer de se la jouer un petit peu fourbe. Ne t'inquiète pas, Alif, je veux juste te parler. Voilà. C'est ça. Je sais ce que tu veux, mais je peux déjà te dire que je ne sais rien. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Tu sais ce que c'est. Quand les acolytes se vantent, on ne veut pas se taper la honte. C'était que de la frime. Je n'ai rien vu. Tu vas souffrir beaucoup plus que je ne souffrirai. Pitié, ne refais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Qui a tué l'apprenti? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il me tuera si je parle. Ou pire encore. J'espère que ce ne sera pas une perte de temps. Stop! Pitié! D'accord, d'accord. Je vais parler. Il me tuera, mais tant pis. Le meurtrier est un apprenti dénommé Essor Kane. Il faut me protéger. Sinon, il va me tuer. C'est pas mon problème. Non, comme toujours, pas vrai. Ça te concernerait un peu plus si tu avais un sabre laser sur la gorge. Avec un peu de chance, Kane m'achèvera rapidement. Pas la peine de me le dire. J'ai entendu clairement le nom du meurtrier, même si je préférerais ne pas le connaître. C'est Essor Kane. Le maître de Kane est un membre du Conseil Noir. Je serais fou de m'opposer à lui. Quoi qu'il en soit, votre épreuve est terminée. Je vais faire votre éloge au surveillant Harkoun. Vous pouvez retourner le voir. Plus de torture? Oh, moi qui commençais à y prendre goût. Je sais, quand on commence, c'est dur de s'arrêter. Revenez plus tard si vous survivez à vos épreuves. Ça aura été un plaisir de vous voir à l'œuvre, acolyte. Sincèrement, je vous souhaite bonne chance pour les épreuves restantes. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je peux pas... est-ce que je peux pas... On n'a pas de... On peut pas se mettre un titre là, non, on peut pas... Se mettre acolyte, non, non. On verra ça plus tard. Ok. Donc voilà, donc on a réussi notre épreuve. On va retourner voir le surveillant. Les nouvelles recrues me dépitent. Des tartarins, des enfants, des esclaves. Pas un... Alors il ne sera jamais Sith. Dommage. Il a l'air fort. Pas assez fort pour les tombes. Je m'en suis assuré. Eh bien, eh bien. Moi qui m'attendais à devoir encore supprimer un acolyte, cette peine va m'être épargnée. Sans surprise, Nilok manque à l'appel.
C'est également sans surprise que Fon a réussi sa première épreuve. Dans peu de temps, il vous piétinera tous. Je vais te mettre en pièces sur le champ, esclave. Patience, Fon. Un accident dans les tombeaux serait bien plus convaincant. Maintenant que vous connaissez votre prochaine mission, fichez le camp! Je veux parler à Fon et à notre retardataire. Alors, esclave, Zin dit que tu t'en es sorti à merveille, et bien que je trouve ça difficile à croire, le seigneur Zash est satisfait de ton évaluation. De toute évidence, Zin t'a aidé d'une manière ou d'une autre, mais ce ne sera pas le cas lors de la prochaine épreuve. Avec Fon, vous allez passer des épreuves d'intelligence afin de tester votre aptitude à utiliser votre compréhension de la force pour résoudre des problèmes. Un esclave ne peut pas me battre au niveau intellectuel. J'ai été instruit par les plus grands professeurs. Du calme, Fon. Je sais que cet esclave ne t'arrive pas à la cheville. Vous aurez donc des épreuves différentes. Vraiment, toute cette générosité me surprend. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Fon, tu vas aller à la bibliothèque, au deuxième étage de l'académie, et traduire les textes suivants pour le seigneur Zash. Oui, surveillant. Esclave, dans le tombeau ancestral et infesté de monstres de Markaragnos, il y a un holocron encastré dans un grand monument en pierre et qui contient de sombres secrets. Personne n'a réussi à libérer l'holocron de sa prison de pierre en plus d'un millier d'années. Rapporte-moi cet holocron ou tu mourras. Plus vous m'obligez à vous détester, plus ça me rend fort, Harkoun. Et un jour viendra où je le serai assez pour vous écraser. Tu ne seras jamais assez fort, esclave. Tu dois me ramener l'holocron ou prier pour que l'esprit de Markaragnos en personne se réveille pour achever ta misérable existence. Maintenant, vas-y. Ok. Bon, lui, je pense qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Ça va mieux ? Allez, on y va. Donc, est-ce que j'ai un pouvoir à apprendre ? Foudroiement ? Ouais, ouais. On va aller le chercher. C'est un pouvoir qui permet de stun un ennemi pendant quelques secondes. C'est pas ce que j'utiliserai le plus, mais ça peut servir au début. Quel sombre secret vais-je partager avec vous ? Hors d'ici ! Ouais, on va se le mettre là pour l'instant. Voilà, c'est parti. Donc là, on va aller prendre un taxi pour se rendre dans une autre zone. Et puis, avant ça, sur la route, on va se faire une toute petite quête qui prend pas beaucoup de temps et qui va nous permettre de peut-être prendre le prochain niveau. Panique à bord. D'accord. Donc ça doit être des Français. Donc dès qu'on est au niveau 10, on aura notre petit speeder qui va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus vite. Et donc on va faire cette petite quête là. Levez-vous et expliquez-vous, acolyte. Voyons ce dont vous êtes capable. Je vous regarde et je me demande. Êtes-vous d'une loyauté à toute épreuve ou dissimulez-vous la trahison dans votre cœur ? Vous avez l'habitude d'accuser les étrangers de trahison et de sédition ? Vous n'êtes pas un étranger. Je connais tout le monde dans cette académie, même ses anciens esclaves. Selon les rapports des services secrets, cette vallée abrite des traîtres, des acolytes qui cherchent à détruire l'ordre que notre empereur a bâti avec soin et à le remplacer par leur hérésie pour les faibles d'esprit. Ils se cachent parmi les fidèles, mais ne vous trompez pas. Ils nous détruiront tous dès qu'ils en auront l'occasion. On a observé les traîtres traverser la vallée et comploter contre nous. On connaît leurs visages et leurs noms. C'est la volonté de l'empereur que les sables de Korriban soient baignés du sang de ces traîtres. Montrez-nous votre loyauté en les exécutant. Ce sera un immense honneur de vous servir, Excellence. En me servant, vous servez l'empereur. Souvenez-vous-en quand vous exterminerez la vermine dans la vallée. Je vous donnerai les moyens d'identifier les traîtres. Éliminez-en suffisamment pour prouver votre loyauté et retournez voir l'inquisiteur Arzanon.
Je suivrai vos progrès avec beaucoup d'intérêt. Partez maintenant. Que la volonté de l'Empereur soit faite. Bien, donc tout se passe pas très loin. Doucement, toi, avec ton truc là, mec. Fais pas le bout, dans 5 niveaux j'en ai un aussi. donc allons-y. Donc là, on doit scanner les acolytes pour découvrir qui sont les traîtres. Donc on clique sur l'acolyte, on clique sur le petit truc là. Et là, lui en est un. Donc on va le. Quelle douce musique à mes oreilles. Voilà, un premier, on en a 4 à faire comme ça. Alors c'est pas tous des traîtres. Hein. Ça va mieux? Et là, on a de la chance. Ça va laisser des marques. Ok. On a vraiment de la chance. Donnez-moi un vrai combat. Les 3 premiers sont des traîtres. D'habitude, hein, ça peut arriver que vous fassiez un petit peu de tour pour les trouver. Là, c'est cool. Bon, bah, c'est imperfect. Délicieux. Ok. Donc là, on n'a plus qu'à retourner voir l'inquisiteur. Et on va prendre le taxi pour se rendre dans les contrées sauvages. Donc on va visiter pas mal de planètes, on va avoir notre vaisseau, ça va être plutôt cool, on va pouvoir s'amuser, ça va vraiment être sympa. Je vous ai observé pendant que vous vous occupiez de ces traîtres. Beau travail. Cette manifestation de votre volonté m'a impressionné. Prenez cette récompense en gage des grâces de l'Empereur et portez ce badge. C'est la marque des défenseurs de notre empire. Restez vigilants. Nos ennemis se cachent là où on les attend le moins. Voilà, donc on a chopé un petit niveau, on va s'équiper des bottes, on a eu quoi comme pouvoir? Soin obscur, bon, on n'en a pas besoin dans l'immédiat puisqu'on a notre pet qui nous heal, et donc on va se rendre ici. Itinéraire confirmé. Voilà, donc Corriban, hein, pour le coup, plutôt stylé. Donc il doit y avoir un holocron, si je dis pas de bêtises, qui se cache ici. Non, c'est où que je l'ai vu? Je crois que c'est par là-bas. Faudra venir voir quand on quittera la planète. Donc aux alentours de l'acte 10-12. Là, de toute façon, on va faire cette partie, enfin cette quête-là, et puis on arrêtera cette première vidéo ici. De toute façon, on est parti pour très longtemps, puisque on va donc faire toute l'histoire de classe qui va nous emmener sur quand même un sacré paquet de planètes et jusqu'au niveau 50 environ, enfin certainement un peu plus puisque je vais un petit peu pex en off. Ensuite, on aura Illum à faire. Ensuite, on aura donc la première extension qui est le cartel des Huttes qui va nous emmener sur la planète Makeb où il y a voilà pas mal à faire. Donc ça va durer peut-être jusqu'au niveau 65. Temps normal, hein, du coup. Ensuite, on va avoir donc Shadow of Revan, qui est une autre extension avec le prélude plus la partie principale. Ensuite, on aura une autre extension qui est, je crois, Fallen Empire, non? Ouais, Fallen Empire, et après, ce sera Eternal Throne, je crois, ou l'inverse, enfin bref. Du coup, donc voilà, on a vraiment, vraiment de quoi faire pour arriver au niveau 75 et faire tout ce contenu scénarisé. Et d'ici là, peut-être qu'on sera au 15 février et que la nouvelle extension... Eh non, mais d'ailleurs, il y a même encore autre chose à faire après, parce qu'il y a tout l'arc narratif avec Dark Malgus. Donc, c'est encore pas fini. Et donc, ensuite, on aura certainement la suite de l'arc narratif avec Dark Malgus qui arrivera à partir du 15. Donc ici, on va prendre le petit codex. Voilà, et on va parler donc... Un tout jeune acolyte qui vient voir seigneur. Mes expériences. Très bien. Je suppose que la vue d'une table d'opération un peu sale ne te dérange pas. La route vers le pouvoir n'est pas faite pour les petites natures. Tu me rappelles moi à ton âge. C'était un Tukata. Les créatures semblables à des chiens qui infestent les tombeaux de Corriban. En surface, rien de spécial.
Mais je suis le seul à voir que cette créature est une expression de l'énergie pure du côté obscur. L'agressivité incarnée. Impressionnant. Comment l'avez-vous appris ? La Force me l'a dit. Elle me parle. La Force est vivante. Elle exprime sa volonté dans le monde physique. Ce Tukata était une de ses formes. Sommes-nous une autre de ses formes ? Les Sith sont la plus haute manifestation de la volonté de la Force. J'ai disséqué des centaines de Tukata et j'ai établi une connexion directe avec le côté obscur. Chaque bête que j'examine me rapproche un peu plus de l'unité parfaite. J'ai atteint une nouvelle frontière, mais je ne peux plus avancer. Mon spécimen le plus parfait, un mutant Tukata, s'est réfugié dans les tombeaux avant que je puisse l'analyser. Je peux peut-être vous aider à retrouver votre spécimen. Oui, je n'en espérais pas moins. Mon apprenti Malora a vu dans quel tombeau le mutant est allé. Découvre ce qu'elle sait, aide-moi, et tu seras récompensé. Je parlerai à Malora et je ferai le nécessaire, Excellence. Tu as découvert une belle vocation en te mettant à mon service. J'espère que tu apprécies. Ok, donc on va parler à son apprenti. Vous cherchez l'animal de compagnie du Seigneur Renning, c'est ça? Ne perdez pas votre temps. Les recherches de cet abruti n'ont aucun sens. Vous n'êtes pas une apprentie très loyale. Je me trompe? Il n'a de maître que son titre. Il n'a rien à apprendre à personne à propos du côté obscur de la Force. Renning fait croire au Conseil Noir qu'il fait progresser la connaissance Sith. En vérité, il gâche les ressources de l'Empire et lui fait perdre du temps en disséquant des animaux stupides. Mais si ses expériences étaient discréditées, il serait banni. Et je serais récompensé. Vous complotez pour vous débarrasser de votre maître. Rien de plus. Mon destin ne se limite pas à servir d'assistante de recherche dans cet endroit minable qui nous sert de laboratoire. Écoutez, une petite modification du cerveau d'un Tukata mutant me permettrait de révéler l'imposture de mon maître. Apportez-moi le cerveau avant de le donner au Seigneur Renning. Vous ne le regretterez pas. On verra si j'ai le temps. Vous serez récompensé par le maître et par son apprenti. C'est une bonne affaire. Le Tukata mutant s'est réfugié dans le tombeau de Mark Aragnos. Il est beaucoup plus grand que les autres. Vous le trouverez facilement. Rapportez-moi le cerveau avant de voir le Seigneur Renning. Je m'occuperai du reste. Donc voilà, hein, la vie d'un apprenti Sith chercher à éliminer son maître. c'est un petit peu le délire sur cette planète. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Voilà, on vend tout ce qu'on n'a pas besoin. Bien. Et puis, on avance. Alors d'ailleurs, il doit y avoir un holocron ici, si je ne dis pas de bêtises. Je sais même pas si c'est toujours d'actualité, ces choses-là. On va aller voir ça. Ouais, il a l'air d'être là. Superbe. Donc on va le prendre. Un datacron, pardon. Pas un holocron, un datacron. Bah oui. Donc ça améliore notre maîtrise de façon définitive. Voilà. Et donc une fois que c'est fait avec ce personnage, il n'y a plus besoin de le refaire avec d'autres persos. Celui-là est trouvé. Donc ça c'est plutôt cool, on a pris plus d'en maîtrise. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Après ça va être le cumul hein, des différents datacons qui va être intéressant. Certains sont quand même très très compliqués à obtenir. On voit qu'il y a un petit peu de monde sur la planète puisqu'il n'y a personne là. D'habitude il y a plein de monde à tuer. On a d'ailleurs une petite gueule qui nous demande d'en tuer une quinzaine. Bon bah c'est pas bien grave. Hein. On va avancer. On va tout de suite aller s'occuper de la quête annexe ici. Donc récupérer le cerveau. Pour ça, il nous faut un appât. Voilà, et donc là on va pouvoir commencer à utiliser notre tempête de force, qui est un pouvoir de zone plutôt et cool. Voilà, comme neuf.
Voilà, et donc là on va pouvoir éliminer les groupes d'ennemis un petit peu plus facilement. Donnez-moi un vrai combat. Pas mal. Voilà. Délicieux. Donc là, on a récupéré l'appât. Quelle douce musique à mes oreilles. Ok, donc au fur et à mesure, hein, on va se choper des pouvoirs plus stylés, on va devenir de plus en plus puissant grâce à nos pouvoirs, notre équipement, etc. Donc ça va être plutôt cool. Il n'y a pas un coffre qui traîne dans le coin quelque part ici, non? Il me semblait qu'il y avait un coffre. Non. Non. Ok. Donc on va placer l'appât ici. Voilà, et donc on n'a plus qu'à attendre l'arrivée de la jolie petite bébête. Aïe! Pas mal! Voilà, donc on récupère son cerveau. Et on en a terminé. On n'aura plus qu'à ramener ça soit à l'apprenti, soit au seigneur. Donnez-moi un vrai combat! Voilà, donc maintenant on va aller faire notre quête principale. Voilà, un petit niveau. Ça va laisser des marques. Délicieux. Donc on est niveau 7, c'est plutôt cool. Pardon, le but étant d'arriver niveau 10 assez vite. Ça va laisser des marques. Pouvoir débloquer le speeder notamment. Pouvoir se déplacer avec plus de facilité. On a terminé de tuer tous ceux qu'on devait tuer, c'est très bien. Bah toi tu t'occupes d'eux, c'est cool. Et donc on va rentrer ici. Et voilà, comme neuf. Pas mal. Ok, docteur de Corriban. Ok, on a découvert toutes les créatures de Corriban. Cool. Donnez-moi un vrai combat. Voilà, donc là on en a 4 à tuer qui se trouvent ici, il y en a encore un là et puis un là-bas, voilà. Les 3, les 2 là, on va se les faire, ça va faire un petit peu plus de... Quelle douce musique à mes oreilles. Voilà. Un petit peu plus d'XP. Et donc là, on doit récupérer l'holocron. On va méditer. Le pouvoir du côté obscur est en moi. Ok, donc c'était pas ça. Ça va laisser des marques. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait encore une bestiole qui traînait. Voilà. Donc là, deuxième essai. Et on va lancer un éclair dessus. Ouvre-toi, bon sang!
Voilà, donc holocron récupéré. Donc là, on doit retourner voir le surveillant et rejoindre le seigneur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter donc directement ici. Pour rendre la quête secondaire. Et donc nous, on va se la jouer vrai site. On va la rendre directement au seigneur. Patience est à bout. As-tu enfin récupéré le cerveau du Tukata mutant? Ou faut-il que j'envoie quelqu'un d'autre? Voilà ce qu'on m'a demandé. Ah. Oh. Merveilleux. Fais-moi voir. Personne n'aura à s'en plaindre. Regarde cette marbrure sur le lobe frontal. J'ai hâte de l'analyser. Tu m'as rendu un grand service, mais je dois continuer mes recherches. S'il n'y a rien d'autre... Et donc là, on va lui révéler que Malora est une traîtresse. Malora voilà. M'a demandé de saboter votre expérience. C'est vrai. On voit qu'on a pris 100 points de... Malora, si tu n'apprécies pas mon travail à sa juste valeur, tu n'as aucune place à mes côtés en tant qu'apprenti. Attendez, maître. Il ment. Je ne vous ai pas trahi. Bah, assume au moins, ma grande. Je reconnais la vérité quand je l'entends, Malora. Je te libérerai de mon service. Un jour. Ah ! Oh, maître ! Pitié ! Stop ! Non ! Ah ! Ah ! Ma chère, ta douleur ne fait que commencer. Prends ta récompense et pars. Malora et moi avons des choses à nous dire. Quelqu'un a besoin d'aide ici. J'apprécie ton offre, mais je préfère m'en charger seul. Au revoir. Cool. Donc on reprend un petit niveau. On se rechoppe un petit boost d'XP qu'on utilisera plus tard. On va s'équiper de ça. Et donc là, en prenant des points du côté obscur, on va avoir donc la corruption qui va commencer à déformer notre visage et à apparaître, les veines, etc. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher l'équipement crânien parce que c'est vraiment pas joli. Quoi. Voilà, c'est très bien. Donc on a terminé, on a pris un petit niveau, voilà, on va retourner voir le surveillant. Ah, l'ascenseur, bon, on va t'attendre, hein. Donc c'est vraiment, ça c'est le pouvoir qui permet de régénérer sa vie quand on est hors combat, et je le trouve vraiment, vraiment stylé le bouillonnement, quoi. Voilà, comme ça on va aller rendre cette quête principale et puis on va pouvoir en rester là pour cette première vidéo parce qu'on est déjà quand même à 54 minutes. Qu'est-ce que tu fais là toi mec? Je sais même pas comment t'es monté d'ailleurs. Et il y a un datacon, voilà, il est là-bas le datacon à récupérer. Et ça, on ira prendre cette navette quand on quittera la planète et il y aura le datacon à les récupérer juste un petit peu avant. Je crois que c'est les deux seuls qu'il y a sur Corriban. Ça, c'est quelque chose que je ferai tranquillement de mon côté. J'ai bien choisi ma spé, hein. Ouais, j'ai bien choisi ma spé. Tu as intérêt à ne pas me faire perdre mon temps, esclave. Tu as intérêt à voir l'holochrome. C'est un faux. Ou bien tu l'as volé à la bibliothèque. Je m'occuperai de toi plus tard. D'abord, c'est l'heure de faire une nouvelle démonstration. Gurr, avance d'un pas. Oui, surveillant. Fawn, tue-le. Avec plaisir, surveillant.
Que Geur soit un exemple pour vous tous. Fon l'a tué facilement, et il fera pareil avec vous. Des objections ? Vous ne faites qu'alimenter notre force, Harkoun. Et tes commentaires ne font que précipiter ta perte, esclave. Bon, vous connaissez tous la prochaine épreuve. Partez. Toi, esclave, reste ici. Alors, esclave, tu penses que tu as été assez malin pour ramener l'holocron, n'est-ce pas ? Je suis inégalable. Tu as de la chance que le Seigneur Zash te trouve utile. Bon, voici ton épreuve. Les derniers et les plus noirs des secrets de Tulak Horde sont enterrés dans son tombeau. Le Seigneur Zash veut ce document. Mais la dernière demeure de ce Seigneur n'est pas facile d'accès. Tu ne seras pas le premier à y mourir. Oui, 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 vous m'envoyez encore dans un tombeau pour réaliser l'impossible, en espérant que j'y laisse ma peau, et je vais encore revenir pour vous prouver que vous avez eu tort. La ferme, esclave ! J'en ai assez de tes railleries ! Pas la peine de revenir si tu n'as pas récupéré le texte dans le tombeau de Tulak Horde. Maintenant, hors de ma vue, esclave ! Bon bah on va le savoir qu'on a un esclave, hein, vu le nombre de fois il nous répète. Alors par contre, voilà, il faut que j'active ça si je veux pas avoir le... Voilà, le serre-tête là, parce que c'est un peu horrible. Du coup, on aura donc notre prochaine quête, c'est parfait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter à la cantina. Ça va me permettre d'engranger un petit peu d'énergie, d'expérience bonus, qui me permettra d'avancer un tout petit peu plus vite sur le niveau là, lors de ma prochaine reconnexion. Donc voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des coms ou autres. Enfin, voilà, quoi. Et puis, de toute façon, voilà, on est vraiment parti. Parce que déjà, entre ce personnage-là et puis toutes les autres classes qu'on peut monter, puisqu'on peut jouer du contrebandier, du soldat, de l'agent impérial, du guerrier Sith, de l'inquisiteur assassin, on peut faire des Jedi, etc. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Donc si ça vous plaît, on peut être parti pour très, très longtemps sur ce jeu. Voilà. En tout cas, moi, je... Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à la prochaine.